Bon alors, on va pas le cacher. Ces messieurs ont fini de manger, bonjour. Il y en a qui ont fini de manger, il y en a qui sont morts au combat. Le trajet que t'as fait avec toi, c'est trop dur. Il fait trop chaud dans votre pays là. T'habites où toi? Bretagne. Ah mais c'est normal, t'aimes la pluie. Ah, oh, il pleut pas en Bretagne. C'est vrai qu'il pleut que sur les cons. Qu'est-ce que tu dois être mouillé toi? Putain. Ah, t'es mort. C'est trop facile celle-là. Franchement, ça a été trop facile. C'est marrant, tu vois, je l'ai fait. Tous les cousins de ma femme sont bretons, je leur fais toujours comme blague et je me fais toujours insulter. Ben ouais, parce que t'es une salope. Attends, alors. Non, mais je vais chez toi en plus cet été, je vais au Mont-Saint-Michel. Non? Nique tes morts. Voilà, vous avez vu, les Bretons n'ont pas d'humour. Nous savions Non, qu'ils mais étaient parce que tous le alcooliques. Saint-Michel, il est à nous, mais Nous savions c'est qu'ils putain étaient de tous normal. alcooliques. Et voilà. Ça, c'est vrai. Mais nous, okay, on tient l'alcool. Le même total que sur notre forme prévisionnelle, donc ça, on est comparé à certains de notre équipe. Quoi, un squal, si tu vois cette vidéo. La blague, chaque fois, c'est le Mont-Saint-Michel. Et il pleut que sur les cons. Après, t'es où en Bretagne? À Vannes. Le golfe du Morbihan. Ah, c'est joli là-bas. C'est magnifique. Mais on y va cet été. Mais allez-y, franchement, c'est. On y va souvent avec la. Bah, vu que c'est la famille. Ma belle famille, elle est du. Enfin. Mes beaux-parents sont au Havre, mais tous ses cousins sont à côté de Rennes. C'est moi qui est d'accord. Et là, on va à Saint-Malo. Ouais, okay, ouais, c'est pas mal, Saint-Malo. Je kiffe Saint-Malo. Intramuros et tout, là. Ouais, bah on dort intramuros 15 jours. Je rêvais de retourner à Saint-Malo. C'est mes vacances quand j'étais petit et tout. Et si je vais aller à Saint-Malo, je vais à comme un gosse, quoi. Ah ouais, mes premières vacances qu'on a fait avec ma gamine, c'était Golfe du Morbihan. Je sais plus où on était, mais c'était trop beau. J'ai kiffé. Ouais, mais le golfe du Morbihan, franchement, on baise. Ah, on fait un peu de tourisme, hein. Enfin, la lana après, on s'en bat les couilles. On s'en fout, on est en train de parler un peu, parce que découvrir la France, c'est joli. La Bretagne, le Mont-Saint-Michel, donc. Carnac, les menhirs. On était pas loin. Mais pourquoi t'es pas allé? Attends, vas-y, viens avec moi. Tu veux tout de ma gueule? Oui. Parce qu'au moment où on y allait, on n'a pas trouvé la route. Oh, on mais putain, mais t'as internet. On s'est retrouvé en y allant, là où ils font les nimites. Le trajet de deux. Les nimites. C'est des. Il y a une presqu'île pas loin. Quiberon, voilà, c'est les nimites de Quiberon, c'est des sucettes. Ah, okay, et on s'est retrouvé, okay. Mais nous on est une gamine. Trajet de squat, 70. Parce que je l'ai fait, c'est magnifique. Ouais, bon, là-bas, vous êtes hors catégorie, vous êtes des bâtards. Entre le Mont-Saint-Michel et tous les jolis trucs que vous avez, vous êtes des bâtards. Et je te confirme que. Putain, breton, ça boit, hein, tout ce que ça descend. Et c'est tous les week-ends. Et on voit que certains, comme Squad, n'ont pas sont pas bretons. Et voilà, quand même, on va parler un peu aussi de ceux qui bossent. Les travailleuses de l'ombre. Les carrés qui fait les comptes. Ouais, je sais pas si je peux écrire dans le chat, non? Là, ils font les comptes. Là, centimes de plus. On a notre cuistot qui a bossé tout comme un barge tout le week-end. Le non. Oh, on était tous ensemble. Ouais, mais c'est toi qui as bossé. Tu as passé du temps. Hein? Il y a passé du temps. C'est l'esprit d'équipe, ça continue. Ah, donc comme ça, vous voyez un peu. On va le Mont-Saint-Michel. Allez, on va faire un peu les joueurs. Donc il y a deux streams sur la page Facebook. Ça vous avez. Je vais éviter de bouger trop. L'adresse des streams si vous voulez voir les matchs. Gracias.
Sur un match, il faut aller sur le stream de Oro. Je prends la fois. Tu joues pas, toi? Si, je vais jouer là. Ah ouais? D'accord. Voilà, alors, je fais pas de pub méchante pour le hub, au contraire, parce que je l'aime beaucoup. Mais voilà, les joueurs hors hub sont censés jouer, vous voyez, ils sont partis à la buvette. Et pour ça qu'ils s'appellent Sobad. Hein. On a enfin compris. On a enfin compris pourquoi. Le deuxième side. Lui, c'est le plus beau. Ensuite, il y a le deuxième plus beau. Le troisième plus beau. Tu sais que j'ai regardé un match de son sport national et par ses équipes nationales. J'ai rien compris à ta phrase, gros. Je te jure, j'ai vu les mots sortir de ta bouche. J'ai mis tout à l'heure sur l'écran. Ouais. Un match de cricket, donc son sport national. Ah, c'est ça que j'avais pas capté. Son sport national, Sri Lanka, Pakistan. Oh, ça doit être un match top niveau, ça. Féminin, j'ai dit, c'est toute ta famille qui joue. Allez, on met le deuxième side. Je suis mollo. Je regarde pas les gars, promis. Tricheur. Un long, c'était. Oui, promis, je regarde pas. Donc là, si tu regardes, en fait, il stream. C'est lui qui stream le match en question. Lui, il a du skill. Dans toute la team, je crois que c'est lui qui est le plus skill. J'allais dire où là-bas qui perdait donc. Et donc vous êtes parti d'un principe que vous jouerez demain, c'est ça? Non, je joue. C'est ça. Moi je travaille demain, moi. Si je pose juste la question, tout bien, tout d'honneur, parce que normalement je me suis dit, voilà, c'est les matchs en même temps et tout. Mais en fait, je m'aperçois que vous branlez, vous. On a envie de voir un peu comment. D'accord, ça, quoi, d'accord. Tu vois, voilà. Ça, c'est les branleurs, ça. Ils sont trois. Oh, je répète, hein, attends, il est en train d'essayer de contre-stuff le strat là, de faire c'est pas, c'est quoi, pas parce qu'il a un t-shirt du hub que c'est tous des branleurs. Au contraire, mais lui, un peu, beaucoup même. Mais lui, là, son frère, il est trop skillé. Heureusement que son frère, il est PL. Lui, en fait, il jette le stuff au spawn, on dirait moi.
Et le dernier, je sais pas. Je dirais qu'il joue bien. On n'est pas en cours de PS, on fait pas du slalom, frère. Dans le tunnel, ça fait des slaloms. Mais bien sûr que si. Bien sûr que si. Ça fait des slaloms dans le tunnel, gros. On est en cours de PS. C'est vrai? Oui. Est-ce que vous êtes des squatters? Ouais. Vous êtes les meilleurs, les gars. T'as jamais joué avec lui sur internet, gros. Moi, tu vois, moi, dans ma tête, avant que je rencontre Irel, pour moi, il était toxique. Putain, tu me fais penser de ce mec dans la fin. Au stand. Moi, tu vois, j'étais moins sympa, j'allais dire ceux qui font les avions, là. Je sais pas si c'est bien payé comme ça, les gars qui font les avions. Si, parce que le risque qu'il y a, tout ce qui est lié à l'avion mondial, ça. Mais l'iPhone, ça. Ouais, l'iPhone, ça reste dessus. Je pense qu'il vaut mieux que tu fasses l'iPhone. D'ailleurs, je suis fan de F1, tu peux aller faire ça. Tu peux des baraques, c'est naze. Qu'est-ce qu'on fait, on joue? Allez, c'est bon les gars? On vous attend, vous. Allez, tiens. Let's go, tout là. On est là, oh, on est là. Alors, ils ont niqué toutes vos strates, hein, je veux pas dire, mais... Non, j'allais dire, ils ont niqué toutes vos strates. Allez, deuxième match, eux, ils sont en place, les autres, c'est en train de chat, voilà, tranquille. Mais voilà, le côté le plus fun quand même, c'est on n'est pas en cours de PS, mon gars, on fait pas des slaloms ni des squats. T'as pas entendu ça? Ah, il y avait Apo. Voilà, Apo, je te présente Fizo si tu l'avais jamais vu, donc, qui est devant sur ses serveurs. C'est de l'alcool qu'il boit, hein, il est au bout de sa vie, le pauvre. Mais le coup du... Il slalom en alambé, on n'est pas en cours de PS, on ne fait pas du slalom dans les couloirs. Celle-là restera sans doute ma phrase favorite du week-end. Allez, deuxième team. Ils sont en train de s'installer. Donc celui-là, c'est le stream de Léakim. Donc c'est la deuxième demi-finale. Après, il y a un dernier match. Il y a deux derniers matchs pour avoir le 3 et 4e. Reprenez le final à hauteur. Non, il y avait 1200 hectares. Ah ouais? J'active le shit. J'ai vu. En direct, je l'ai vu. Oh, aïe, aïe, aïe. Je l'ai vu en direct. Là, il a activé le shit. C'est lui. Allez. Voilà, so bad, il a activé le shit, monsieur. Heureusement que je suis pas admin, hein, parce que putain. Ah, il y en a, il gueule, mais il est dans la bande à mouchou. Il gueule parce qu'il joue à FIFA. C'était joueur. Hein. Ah, je vais vous montrer quand même. Fait mouchou au bout de sa vie, il a perdu son quart et au bout de sa vie. Donc c'est lui qui gueule, paillette à fond la caisse, parce qu'il joue. C'est le Normand. Non, je suis breton. Je suis pas Normand. Admirer quand même sa position sexy et glamour. Toujours avoir un coéquipier derrière qui vous aide. Oh, t'as une sale gueule en vrai. Oh, bâtard. Comment t'as chopé ça? Bon, elle était par terre. Sérieux? Mais non. Voilà, sale gueule. Oh, le dos. Oh, putain, le dos. Hey, mon passé à Mouchou, hein. Et ça, même, tu sais, j'ai un gros. C'est le premier round. Et le troisième, c'est lui qui stream. C'est Léakim qui stream. Alors,
non allemand. Je sais pas si son stream est lancé. S'il est lancé, c'est lui qui l'a stream. Je prends les flashs aussi. Allez, on continue d'avancer. Attends, on arrête de se casser. Putain. Je suis désolé, Apo, je t'aime bien, mais je m'approche pas. Et là, comme il rage. Non, mais je m'éloigne, j'ai peur. Et Mouchou, en fait, bah, vu qu'il a perdu, tu vois, il est en train de... Il est au bout de sa vie, déjà, et il se relaxe, voilà. Il fait baisser la pression. Oh, il est là-bas, c'était où ou BPM, c'était où? Yes! Voilà, on avait besoin de ça. Let's go, les gars! Let's go, les gars! On avait besoin de ça. Les, vous avez. Putain, là. Ils font des erreurs, ça, c'est débile ce qu'ils ont fait. Go! Oh. Vous jouez tranquille. Vous jouez slow et vous faire des erreurs. Vous faites une minute directe pour B. Vous avez bien joué à force. Mais ce n'est pas. Vous jouez. À 5 paquets à part Mixo. Qui leur commence. C'était un short. Un quart et un, c'est dur. Alors pour ceux que ça intéresse, il y a les deux streams des finales par les joueurs. J'ai mis le lien sur la page Facebook de l'association. C'est juste que les streamers officiels sont morts. On n'est pas nombreux, donc voilà. Mais là, je vous fais un stream IRL. Et ça, vous puissiez les voir jouer aussi. Et entendre l'ambiance. Je trouve que l'ambiance est sympa. Mais. De ce fait, de ce fait. Ça peut être short ou pas? T'as un monstre. Vous restez en cross? Encore un rentre, encore un rentre. Voilà, mais c'est mouqué. Pas là, pas là. Casqué. Pas là, c'est pas là. C'est tout ça. Nice! Y'a là, la spin! Il est franc. Je veux des infos là maintenant, ils sont où? Ils vont manquer quoi? Non, oui. Ils sont 4 minutes. 4 minutes. Moi, j'ai pas mis. Ça fait le mid. Bravo, tu dois déjà. Ça fait pas passer le mid. Vous vous connectez? Ah, je vous le connecte. Dis-le. Avant? Non. Slash par-dessus, slash par-dessus. Pareil. J'ai pas vu carte. Mort. Oui, 12 ans. 12, 13 ans en fait, il joue parce que son grand frère est à côté. C'est pour ça qu'il joue là. Mais je rappelle, donc il y a les deux demi-finales qui sont stream par des joueurs. Vous avez les liens sur les Facebook. Moi, je vous fais partager un peu pour ceux qui ne connaissent pas l'ambiance des LAN. Midi, bonsoir, midi.
le mec est posé. Donc tu mets là. Allez, on lève un peu. À gauche, à short. Nice beat! J'ai les gars! Jail time! Vas-y, Michou! Dès qu'on fait un entrée, ils bougent. Ils sont pas joués. Ils sont solides, les gars, solides là. Hein. Continue comme ça là. Donc je rappelle, là, je suis là pour vous faire un peu vivre de l'intérieur les LAN. Il y a deux streams qui sont allés sur notre page Facebook. Pour l'instant, vous voyez, il y en a qui jouent à FIFA. Allez, go-tu là. Alors, oui, Mika. Alors, en fait, on est divisé en deux. Il y a les admins CS, donc notamment Fizo, qui gère tous les serveurs et tout. Donc là, c'est la partie sale, qui est gérée par moi en principal. Et la deuxième partie qui est tout aussi importante, hein, pour ceux qui viennent, bah, voilà, les tarifs de la buvette. Voilà. Et pour répondre à ta question, où est Meka? Bah, en fait, Meka, elle est l'admin de la deuxième partie qui est aussi importante, voire plus, aussi importante, on va dire, et pas plus, qui est la partie buvette. Donc, je vous présente la partie buvette. C'est Drogon qui demandait où tu étais. Donc, on a Meka qui est là et The King qui est venu nous filer, le beau-frère de Fizo, qui est venu nous filer un coup de main. Donc, c'est la deuxième partie la plus importante. Hein. Je ne peux pas vous la montrer en entier parce que sinon, j'ai plus de connexion. Hop. Donc, voilà, ils ont un petit coin buvette. Voilà, là elle fait les comptes en même temps. Là-bas il y a quelques lots et là on n'en a pas beaucoup. Et derrière, hop, on voit un peu là-bas derrière. Là, voilà, ici, il y a tout qui est préparé sur place. Donc là je ne peux pas vous le montrer parce que sinon ça coupe. Mais en gros, tout est préparé sur place et tout. Tiens, bah, ouvre-moi le machin, s'il te plaît. C'est histoire que vous voyez 30 secondes. Parce que c'est important, on pense aussi que les joueurs ils viennent pour le week-end. Il faut qu'ils mangent. Et à la Pharaon. Vous avez quelques lots. Et vous avez au fond, après promis. Voilà. Tout est préparé sur place à des prix défiant toute concurrence. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, je rappelle ici, en fait, je vous stream un peu les ambiances, la salle, comment ça se passe et tout. Vous avez sur la page Facebook de la LAN Pharaon deux liens vers les streamers qui streament leur match, en fait. Et là, c'est en fait pour que vous puissiez entendre un peu gueuler, comment les gens réagissent, à quoi ça ressemble l'ambiance d'une petite LAN fun à l'ancienne. Donc, 11-4 pour les Emergency, donc c'est eux les Emergency.
et Julie 40 years old talent. Non mais je rigole, je plaisante, ça va. Je sais, je rigole. Donc le changement de side, bien sûr, ça strate toujours. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on entend l'orage approcher. Allez, on retourne voir Icefire décale à la Sacha. 5-2 pour décale à la Sacha. Là, je suis mort parce que je regarde pas, quoi. Ouais, la grosse round. Ouais, la grosse round, ouais, il me faut un drop aussi. Ouais, je te dors. Juste la blague. On est sûr, au début du round, c'est calme, personne ne gueule. Au fur et à mesure, ça va commencer à gueuler. T'auras mangé au moins quelqu'un pendant la LAN, ouais. C'est bien. Hey, j'en ai mangé. Oh, arrête. Oh, regarde, bot, hein. On parle de quoi, des croque-monsieur ou des panini? Ah, tiens, d'ailleurs, sur ce match-là, normalement, c'est Léa Kim. S'il y a pensé, je ne vous dis pas qu'il y a pensé. Hein. Ils ont lancé, j'ai oublié de lui rappeler, qui doit streamer. Un short légal qui s'avance. Un window. J'arrive en bas du window. Du coup, approche là, c'est des morts. Short, il a reculé. Il y en a un sous moi, window. Allez là-bas. Il joue avec les flèches de direction. Speed, t'as qui bloque ? Ça a pas l'air. Il y a le mec. Ah oui, c'est bon. Mais toujours en sortie, il était à la même tête. C'est vraiment tête. Ah, ben nickel s'il stream. Là, comme ça, vous voyez IRL et au stream. Yes! Allez là! Let's go! Il faut se dire, depuis 10h du mat, ça gueule. Hein. C'est 14h, depuis 10h du mat, ça gueule. Donc là, ils sont en BO3, donc le 3 maps maximum. Allez, on va entendre si vous faites de l'EPS ou pas. Il y a eu de l'ancien, il y a eu du vertigo. Beaucoup, beaucoup d'anciens. Ils ont des gamines, c'est sûr qu'ils ont acheté. Il y a un parent qui joue avec la moto. Il y a le moto GP. Nice. De la part. Garde.
pense pas qu'ils sont passés chauds, sauf s'ils se dérangeaient et qu'ils jouent pas. Ah mais je peux me rapprocher, ils ont gagné. J'ai moins peur qu'ils me tapent. Tiens, ben regarde, la peau. Vixo, celui qui a créé le serveur Discord où tu fais de la pub, c'est lui. Hey les gars. Ils ont pas d'argent, peut-être à gauche, je sais pas. Les gars, je le fixe, je le fixe. Pas si short, 1, 2. Je flash, attends, en gros. Je flash, en gros, attends, derrière, hop, ça flash. Je suis derrière, Gori. T'es Nao toute seule, hein. C'est mis, joue. Regarde ta langue, frère. Bien joué, Euro. Voilà, moi, je fais des tours comme ça. Là, t'as joué, Euro, là. T'es un monstre. Alors, Mouchou, il participe aussi. Moi, je suis avec eux. Mouchou, on sent qu'il n'est pas du tout pour une équipe. Ouais, je suis ultra partial. En plus, c'est pas du tout d'ancien teammate, donc... J'y vais tunnel. Ouais. Tu veux que je pêche, là? Non. Oui, c'est le mec qui rage, c'est le mec de l'EPS. Il doit commencer rap, ce putain. Attention. Voilà ce moment. Ah, c'était. Oh putain. C'est le chien. Joue pas. Regarde, je blanc. Regarde pas. Il a touch. Pas de titre. C'est bon. Mais j'ai ça. Ah, non, juste pour la musique, il a les cartes. La question qu'on se pose, oui, à la fin de la LAN, on est sourd. Eux, ils ont été éliminés. Les Steppers, ils n'ont pas démérité. Mais il faut se mettre à 3. Mais non, mais du coup, ils ne sont pas venus. Attends. Il est toujours en terre. Tiens, on va regarder, on va demander à Fizo, je vais lui poser une question comme ça, histoire qu'il se prépare psychologiquement à la question. Pourrais-tu m'annoncer les maps qui vont être jouées pendant cette demi, s'il te plaît? Je sais que tu les as notées, c'est pour ça que je te pose la question. Je suis sympa. Je lui pose pas les questions pour lui. Ancien et peut-être Overpass. Pour qui? Qui contre qui? Les 30 years old et Emergency. Ah, donc c'est le prof de PS. Et contre qui et l'autre? Pour Icefire et Décalala Sacha, il va rester D2 ou Inferno. Merci. Et Inferno, peut-être. Voilà, comme ça, vous avez les maps. Donc, vous voyez, un ancien et tout est très, très pique, en fait. Alors, je répète, pour les nouveaux qui arrivent. Ici, je vous fais l'IRL. Et vous avez les deux streamers, donc les liens sont sur la page Facebook, qui streament leur match, chacun dans une demi.
Et moi, je vous fais découvrir un peu ce que c'est pour ceux qui, ou celles qui ne connaissent pas les ambiances de LAN. Donc les joueurs qui gueulent, qui s'encouragent. Alors sachant que c'est toujours très très bon esprit. Je me donne deux secondes, je suis désolé. Je vais juste aller boire un coup. Il est petit, mais il rajoute un peu grand. Hein. Nice! Je reflash, je reflash. Deuxième, profond. C'est loupé. Nice! T'as fait ça. Je l'ai dit avec vous. Va salon, on retourne plus. On va prendre un petit peu les autres parce qu'ils sont derrière, je les oublie. Non, non, je sais pas. Je ne peux pas trop m'approcher parce qu'en fait, il y a des obstacles. Non, en vrai, tu vois ce qu'on va faire là, on court short, on fait pareil, on met tout le même stuff, on court à fond. Sauf qu'au lieu de partir short, on fait un backup, on fait une autre. En même temps, on fait le même bruit, c'est qu'on s'engage pas dans le. Ah là, on retourne une double direct. Ok, c'est bon pour tout le monde. Allez, go, parti. C'est mon grand point. On voit la paille. En vrai, j'ai envie d'aller lower, Non ? Allez, go, on va entendre son dégât, important.